Fini les problèmes de monnaie qui créaient des tensions interminables entre les transporteurs, notamment les apprentis des mini-cars, communément appelés BACA, et leurs passagers. Désormais, les voyageurs devront prendre leur titre de transport dans les guichets installés dans les gares routières avant la montée dans le BACA. Dans les gares routières des carrefours Lavi à Cocody et Agban à Adjamé, les passagers apprécient l'initiative. Ici, il y a mieux parce que dedans, là-bas, là, ça va discours. On n'a pas donné ma monnaie, souvent devant, il va aller nous associer. Tu es pressé, tu as oublié de laisser ta monnaie. Autant ici, là, si on donne ta monnaie, tu prends ton ticket, tu n'as pas de problème, si tu t'as présenté ton ticket. On préfère attendre ici, au lieu de monter dans le bac, et puis maintenant, il n'y a pas de monnaie, on nous associe. Là. C'est mieux d'attendre quelqu'un qui a la monnaie, et puis maintenant, vous pouvez monter facilement. Même si le problème de monnaie est parfois présent à la gare, il facilite le voyage une fois réglé et permet une bonne collaboration entre les guichetiers et les transporteurs. On peut dire, il n'y a plus de parler entre nous et les chauffeurs et les apprentis aussi. En fonction du ticket qui vient, nous on compte, quand on finit de compter, si on devait lui donner par exemple 13 000, nous on enlève pour nous dedans et puis on lui donne le reste. Ils ont aimé et puis jusqu'à ils nous encouragent, il y a d'autres qui nous encouragent, tout ça dans ça. Une stratégie bien appréciée par l'ensemble des parties qui devrait s'étendre dans toutes les gares routières d'Abidjan.